Dieu, viens à mon aide.
Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu avances le jour, tu retardes le moment de ton repos. Tu manges un pain de douleur, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Mes fils, voilà ce que donne le Seigneur, tes enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant qui a gardé son carquois de tels hommes. S'ils affrontent leurs ennemis, rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui, gloire à Dieu pour les siècles. Nous arrachant à la puissance des ténèbres, nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui, gloire à Dieu pour les siècles. Il est l'image du Dieu premier-né avant toute créature. En lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui, gloire à Dieu pour les siècles. Les êtres visibles et invisibles, puissance
principautés, souverainetés, dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Aussi la tête du corps, la tête de l'Église, c'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié. Faisons la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Tiré de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que personne n'avait vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles. Ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé. Ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse.
Le Christ vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia. Christ vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia. Avec ceux qui ont reçu les premiers dons de l'Esprit, prions Dieu d'achever notre sanctification. Dieu notre Père, exauce-nous. Dieu. Dieu Tout-Puissant, qui a élevé le Christ auprès de toi, donne à chacun de reconnaître sa présence dans l'Église. Dieu notre Père, exauce-nous. Père, dont le Fils unique est notre chemin, accorde-nous de le suivre par-delà la mort. Dieu notre Père, exauce-nous. Envoie ton Esprit Saint dans le cœur des croyants pour qu'ils viennent irriguer leur désert. Dieu notre Père, exauce-nous. Par la puissance de l'Esprit, conduit le cours des temps
pour que la face de la terre en soit renouvelée. Dieu. Père qui nous aime sans mesure, achève en toi la communion des saints. Dieu notre Père, exauce-nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ensemble, prions. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église, rassemblée par l'Esprit Saint, de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unie dans l'accomplissement de ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, vous établisse lui-même et vous affermisse, qu'il vous fortifie et vous rende inébranlable, à lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen.